En 78, avec Jean-Pierre Augier et puis les établissements Lambray, on a eu l'idée de monter une rehausse sur le TR350 pour donner à peu près 1,86 m de hauteur sous plancher. Et c'est ce qui a permis effectivement d'avoir un aménagement intérieur ultra moderne. On pouvait, en fonction des options du propriétaire, mettre la literie en haut, mettre une kitchenette, un frigidaire, une cuisinière, une douchette, et avoir un camion fantastique pour les chauffeurs qui trouvaient ce camion exceptionnel. Le Centaur, sur une base de TR350, Berlier, et ce que nous pourrions dire, le père de tous les camions de l'ère moderne. Il est vraiment au diapason de tout ce qu'on propose aujourd'hui. Avec l'inconvénient de l'époque, c'était du solide, du costaud, un peu lourd peut-être. On était, comme toujours chez Berlier, que des passionnés, amoureux de la marque, amoureux surtout de cette évolution permanente. Ce constructeur qui souhaitait toujours, comme disait Marius Berlier, et Paul l'avait repris, c'est avoir 20 ans d'avance. Qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans? Qu'aurons-nous besoin dans 20 ans? La cabine 2400, qui est arrivée avec le TR300 en 1970, déjà avait à peu près 20 ans d'avance sur toutes les autres cabines du monde du poids lourd.